Bon matin à toutes et tous, et bien on se retrouve pour la dernière semaine de ce mois de novembre. Nous sommes lundi 25 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle, plus les messages, n'est-ce pas? Et je vais terminer avec la fleur de vie qui est un magnifique oracle, hein. Cette fleur de vie qui nous aide à recréer eh bien, cet ordre naturel aussi bien dans notre fort intérieur que, eh bien, que dans notre entourage. Et cette fleur de vie nous rappelle, toutes les fleurs de vie nous rappellent que nous ne faisons que partie de la création divine et que nous sommes tous et toutes en relation les uns avec les autres. Si maintenant on aspire à développer une qualité, n'est-ce pas, dans notre vie, et cette qualité peut être la créativité, ça peut être le courage, ça peut être le pardon, etc. Eh bien, cette fleur de vie nous aide à réaliser notre objectif. Et la fleur de vie nous accompagne, n'est-ce pas, jour après jour, sur la voie de l'épanouissement profond et durable. C'est ce que nous avons vu tout ce mois avec ce beau travail sur soi. Que devons-nous travailler pour améliorer ? Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer son quotidien? Donc voilà, et je terminerai évidemment par le message de ton âme, mais avant toute chose, eh bien, la petite pensée positive de ce 25 novembre, chanter. Eh bien, lorsqu'on est tendu et stressé, chanter est un excellent décontractant. Entre autres vertus, le chant engendre la bonne humeur. À méditer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la fleur de vie. Oui, c'est la fleur de vie que j'ai pigée. Ici et maintenant, je suis présent, ici et maintenant, à l'aide de tous mes sens, j'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable, ici, sur cette terre. Grâce à la fleur de ici et maintenant, eh bien, l'énergie d'un avenir heureux se dirige vers toi. Oui, si tu te trouves actuellement, eh bien, dans un état d'esprit pleinement et totalement attentif et présent, eh bien c'est ainsi que tu répands les semences des plantes de ta vie grâce à ta pleine conscience. Ton champ de vie, eh bien il fait éclore des plantes vigoureuses. Ton être tout entier est désormais dans une disposition de joie, d'accomplissement, de bonheur et de pleine conscience vécue. C'est ainsi que tu peux à présent, eh bien, savourer ta vie à l'aide de chacune des fibres de ton être. Car grâce à ta force présence ici et maintenant, eh bien, tu perçois d'une manière amplifiée tout ce qui t'entoure. La plénitude de la vie est ainsi encore plus riche pour toi, plus digne
d'être vécu. Et chaque détail aussi infime qu'il soit, eh bien, il est perçu par toi avec l'attention. Ta vie est parcourue par une richesse quasi incommensurable. C'est une période d'être intense, vraiment. Ta présence consciente quotidienne ici et maintenant représente encore et toujours un moment accompli, n'est-ce pas, de ta vie. Et le défi pour certains d'entre vous, parce que évidemment ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres, soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. Cette carte, ici et maintenant, elle vient te signaler que tu es à présent, peut-être, vraisemblablement, arrivé à un moment de ta vie qui se caractérise par la confusion et le désarroi. On a l'impression que tu as perdu de vue ta vie et tes objectifs. Est-ce le cas? As-tu perdu tout ça par le manque de confiance que tu as en toi? Parce que, est-ce que tu es manipulé? C'est pour cette raison que tu n'es pas relié ici et maintenant à la présence consciente. Mais c'est justement en focalisant tes pensées ou tes sentiments dans le passé ou encore trop loin dans l'avenir que tu manques de clarté pour ta vie actuelle. Et ce fait a des répercussions, n'est-ce pas, aussi bien sur ton ici et maintenant que sur ton lendemain. On a l'impression que tu as les points liés. Pourquoi? Quel est cet état de fait? On a l'impression que tu as les pieds et les mains liés. Pourquoi? Alors, la fleur de vie t'offre la possibilité de te concentrer à nouveau sur le moment présent. Il y a peut-être des choses que tu dois mettre en place et peut-être ne plus accepter certaines choses dans ta vie. Réfléchis à tout ce que je viens de te dire. Ça va peut-être te parler. Et si ça te parle, essaye de mettre le doigt sur ce à quoi ça te parle. Je termine avec le message de ton âme. Ah ben écoutez, laisse mourir. Voilà, laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment et on t'invite à faire de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau, pour que tu puisses vivre la pleine conscience, consciente, que tu puisses vivre pleine en conscience et que tu puisses vivre ici et maintenant. Une belle synchronicité en tous les cas. Eh bien, encore un beau message et une belle guidance, n'est-ce pas, pour ce lundi. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance et de nouveaux messages. Et d'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien, prenez vraiment soin de vous, n'est-ce pas. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.